Voilà, nous continuons. Maintenant, on va essayer d'ajouter un menu dans nos codes. Voilà, j'ajoute les UL tout simplement. J'ajoute les IL. Lily Home. About. Voilà, si on actualise ici, nous avons ces trois Mitsubishi là. Voilà, et on va essayer maintenant de travailler toutes ces histoires en CSS. Eh bien, en CSS, nous allons utiliser IL et list. Style type comme un none. Qu'est-ce que ça fait? On enlève ce qui est là. Ce qui était là, les petits points, points là. Margin 0. Padding 0. Et puis j'ajoute encore wide 200 px. Background color 'est de continuer la ligne. Voilà. On met ça là. Display bloc color. Padding.
Pas grande quand même. Colon. Background color, bah en fait on ajoute aussi cette couleur là, et enfin nous avons ajouté la couleur blanche. Voilà, et après avoir ajouté ce qui est là, vous voyez quand on actualise ici, il n'y a pas d'effet à ce niveau. Pourquoi? Parce que tout ce que nous venons ici, c'est pas connu dans à ce niveau, dans notre HTML. Donc, ce que moi je vais ajouter à ce niveau, c'est A. On était en train de travailler dans la ligne et puis dans les A qui se trouvent dans cette ligne. Voilà. Et là, nous allons ajouter A. Et ça, on va ajouter après. Mais là, ok, et puis on essaie d'actualiser. Vous voyez ce qui fait A. Ah, il agit encore comme celui-là. On va l'enlever. On va enlever les styles pour le premier A. Voilà, c'est A là. Voilà, vous voyez les A déjà. Ici, on n'a pas encore ajouté les A, c'est ce qui est là. Tellement c'est propre, les CSS, c'est beau aussi. Donc, on ajoute les A d'abord partout. On actualise, voilà, notre menu commence à devenir joli. Et à part ça, nous ajoutons intégrer une petite classe active ici. Classe active. Voilà. Quand on va actualiser, on prend déjà la classe active. Hein, la classe active dans notre CSS, c'est ici. Donc on dit que la ligne ici, elle est A est activée, c'est cette couleur qui est là, et la couleur derrière, nous on avait déclaré rouge, mais ici on peut mettre aussi blanche.
Voilà, vous voyez, c'est des 20 quand même pour. C'est ce qu'on devait faire dans cette partie. Tellement merci.